Eh bien, bonjour les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Dans une faculté du côté de Liège. Je suis désolé s'il y a du bruit, on n'est pas tout seul dans les lieux. Donc si vous entendez des voix, tout ça, il y a un groupe de petits jeunes. J'espère qu'ils ne vont pas nous suivre. Donc, on va commencer la visite. On va descendre et on va commencer la visite. Hein. Quand on est arrivé, on a entendu des carreaux cassés. On est vite monté. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait un groupe de 4-5 petits jeunes qui s'étaient enfermés quand ils nous ont entendus. On leur a demandé qu'ils ne fassent pas de dégâts. Que c'était un lieu pour explorer, pas pour casser. T'as vu une chambre froide ici? J'ai allumé un phare. Voilà. C'est un bâtiment, vous voyez les petits jeunes là-bas, de ce côté. C'est un bâtiment qui est immense. Donc on ne sait pas. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie parce que j'ai mon câble, on vend mon câble. Voilà. C'est un petit peu mieux, ça aussi. Oups. Enfin, soit, c'est pas grave. Maintenant, on va avancer tout doucement. Je ne vais pas tout filmer parce que sinon, on est parti pour plus de 2 heures. On va faire les grands axes. On va faire ici, on est déjà monté au 2e étage. Ça, en redescendant, je ferai une petite visite du 1er et le rez-de-chaussée.
visiter cette pièce-là. Oui. Des tacs. Une chaise au-dessus. Hein, vous avez la partie, une autre partie, on ira voir après. Et vu les coffres électriques, il n'y a plus rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est un peu spécial. Là, les petits jeunes. J'espère qu'on ne va pas les avoir sur le dos tout le temps. Comme dirait l'autre, on a bien choisi notre maman pour venir. Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait ici. C'était sûrement de la science, des produits, ou je ne sais pas trop. Et eux, il reste des bidons. Je pense qu'on a mal choisi notre jour pour venir. Enfin bon, voilà. On vient quand on peut. C'est pas toujours choisir le jour pour venir. Deux portes qui sont ouvertes. Là, c'est une autre pièce. Ça, je suppose que c'est l'ascenseur. Ouais, c'est sûrement l'ascenseur. Et sûrement... Voilà. Vous voyez la cage d'ascenseur. Ça c'est dangereux ça. T'as vu la cage d'ascenseur? Ah ouais. Ah, là, vous avez l'escalier qui monte au deuxième. Là, vous avez une autre pièce. Et là, on tombe sur le toit. Ah. Je sais pas ce que c'est. On dirait une bonbonne. C'est vraiment étrange de savoir, je suis vraiment, je voudrais vraiment voir qu'est-ce qu'il faisait ici. Je me
descente. On va descendre les escaliers pour redescendre à l'étage inférieur. C'était les toilettes. C'était sûrement un bureau. Vous voyez l'épaisseur de la porte? C'est où ils vont mettre les enfants pour le massage. Des toilettes. Une salle. Je ferai une petite séance de K2. Sûrement pour le gaz. Donc, comme je disais, je ferai peut-être une séance de K2. J'ai toujours ma spirit box avec moi. Mais je pense que dans une école, voilà, il ne devrait pas y avoir des résultats. Je vais. Mezzanine. Franchement, je me demande qu'est-ce qu'il faisait ici. C'est pas une école normale. Non, c'est un genre plus pour le cabinet. À mon avis, il faisait des genres d'expérience ou quoi. Ou... Ben, c'est pour former des ingénieurs, c'est comme l'université, mais des ingénieurs un peu paraplastiques. Ça se dit comme ça. Mais... Peut-être pour inventer la bombe atomique d'une autre génération. Ça, on pourra dire que quand il y aura la fin du monde, ça viendra de Liège. Ah, oui, une machine. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Chose bizarre. Hein? Ouais. Ici, on est légèrement à l'étroit, vous voyez,
Donc si je viendrais des papiers. Encore des toilettes. Encore une pièce. Vous voyez, elles se ressemblent plus ou moins toutes. Elles se ressemblent plus ou moins toutes. Enfin, vu que tout ce que vous voyez à l'extérieur, un jour ou l'autre, va être démoli. Donc on s'est dit, bon, on va aller faire une petite vidéo. Ici, je ne fais pas trop de bruit, car apparemment, il y aurait d'autres personnes qui ont saccagé et qui seraient porteurs de couteau. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, vaut mieux rester à une grande belle pièce. Vaut mieux rester sur ses gardes. Escalier qui remonte. Donc, je suis descendu. Si on remonte, on sera encore, on sera au même niveau. Ouais. C'était, on était au troisième alors au-dessus. On était au dernier. Oh, ah bon. Escalier. En fait, c'est parce que on n'ose pas sortir de ce bâtiment-ci. Sinon, il y en a plusieurs. Parce qu'apparemment. Ce serait surveillé, apparemment. Maintenant, à part des petits jeunes qui viendraient pour casser, ben voilà. Dans l'état où ça y est déjà, enfin bon, non. On n'est pas venu ici pour démolir. On est venu ici pour visiter. On va redescendre au premier. Petite table. Enfin, petite. Vous voyez. On était là-bas au fond. On était là-bas au fond. Et on a fait toutes les lycées. Et vous avez donc 1, 2, et vous avez le rez-de-chaussée. Vous avez encore tous ces bas autres bâtiments là, mais là c'est un peu chaud chaud pour y aller. Mystérieux boule de gomme, qu'est-ce que c'est encore? Tournez. Ah, est-ce que j'ai bien? Tube à rayon X. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des ressorts, des filtres, on dirait. Si jamais ou quoi vous savez ce que c'est dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, parce que nous, on sait vraiment pas ce que c'est. Waouh. C'est rien, c'est bon. Oh, la grande pièce. C'était peut-être le réfectoire ici. Hein. Vous avez vu comme c'est grand? C'est vraiment grand.
les amis, je vais sortir le K2. Petit boîtier. Voilà. Allumé. On verra bien, mais je pense que est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Fifi. Oh, c'est un oiseau. Je m'appelle Fifi. Je suis avec. Accompagné comme d'habitude de Christox. Nous venons visiter ces lieux. Nous ne sommes pas ici pour casser. Nous sommes ici pour visiter. Si il y a quelqu'un avec moi dans ces lieux, je détiens un petit boîtier que je tiens dans ma main, totalement inoffensif. Si vous voulez vous manifester, il n'y a aucun souci, faites-le. Il n'y a pas de souci. C'est totalement inoffensif. Si j'ai des résultats au K2, j'ai d'autres manières de rentrer en contact, si vous le désirez, bien sûr. Si il y a quelqu'un avec moi, faites-le moi savoir. Approchez-vous de ce petit boîtier et il vous détectera. Sans aucun problème. Merci. C'est vous? Si c'est vous, recommencez. Refaites-le. Rapprochez-vous. Recommencez. Rapprochez-vous. Comme vous l'avez fait, si c'est vous. Vous voyez, il n'y a pas aucune source d'électricité. Donc, ce n'est pas à cause. Vous voyez le tableau électrique, tout est démonté. Et quand vous voyez tout ce qu'il y a par terre, les câbles électriques ont été dénudés. Donc, tout est parti. Puis ça m'étonnerait qu'on. Merci, c'est vous? Recommencez une fois, s'il vous plaît. Refaites. Recommencez une fois. Merci. Merci. Suivez-nous, si vous voulez. Suivez-nous. Démonter. J'ai été là.
Est-ce que vous êtes toujours présent avec moi? Si oui, faites réactiver le petit boîtier. Résultat des essais. Centre national de recherche métallurgique. Rapport d'essai. Nous avons observé la première vue des disques au banc métallographique. Vous voyez ? Il y a des photos métallographiques, je ne sais pas tout comment. Planche 1, planche 2. Est-ce que vous êtes encore présent avec moi? Si oui, refaites aller mon petit boîtier. C'est totalement inoffensif. N'hésitez pas. Laboratoire chimie numéro 6. Laboratoire chimie numéro 6. Un ascenseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je n'ai pas toujours, je ne regarde pas toujours mon K2. Si vous le voyez s'activer que moi, je ne l'aurais pas vu, n'hésitez pas, hein, mettez-le dans les commentaires. Je le regarderai quand je ferai le montage. Il se pourrait qu'il s'active si jamais mon partenaire m'appellerait au Takiwalki. À la dernière enquête qu'on a fait, il m'a contacté plusieurs fois. Il ne s'est pas activé. Maintenant, si on m'appelle ou quoi, il n'y a pas de souci. Vous entendez? L'œil qui voit tout. Je voudrais bien aller voir là-bas. Je pense que la vidéo fera peut-être une petite heure. Oui, je suis là. Vous voyez? Donc ça, c'est mon Takiwalki. Il n'y a pas de souci. Ici, 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 je suis ici. Prends à droite. Tu as passé devant moi là, Christian. Tu as passé devant moi. Fais demi-tour. Je vais aller à sa rencontre.
qu'ici on pourrait se perdre. J'ai encore vu d'autres personnes. Christian, t'es où? Près de Vidou-Larion. Ah ben moi je suis dans le long couloir là. Ah ben là je suis devant toi. Donc vous avez vu, hein, quand on me parle, ça n'influence pas le K2, c'est quand moi je réponds que ça influence le K2. Donc, dans cette partie ici, si vous voyez le K2 qui s'active, il n'y a pas de souci, c'est normal. J'ai encore vu d'autres personnes. Oui. Non, 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 c'est des grandes personnes. Je crois qu'il y a même une femme avec. Bah, c'est un endroit qu'il faut visiter. Hein. Bah ouais, les gens sont curieux de voir ça. Ouais, je les ai vus là, ils montaient les escaliers là. D'ailleurs, on les entend. On entend parler. Là dans le fond, sur on redescendra là-bas après. Il faut des photos, mais ils photographient eux. Ah, d'accord. Les touristes. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est vétuste, hein. Vous voyez le trou? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Si oui, recommencez une fois. Donc je vous le rappelle, mon téléphone est en mode avion. Donc, merci. Ah oui. Si c'est vous, refaites-le une fois. Allez-y, refaites-le. Réactivez le K2. Après, j'ai d'autres moyens de rentrer en contact. Si ça vous intéresse. Disquette pour ton PC. Oui. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une séance de Spirit Box? Spirit Box, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est une radio, une banale radio, qui va moduler des fréquences à haute vitesse, et grâce à ce petit appareil là vous pourrez parler. Un bureau, est-ce que ça vous intéresse? Eh ben on va faire une petite PC. Nous allons faire une petite séance. Je pense qu'on serait bien ici pour faire une petite séance. Oui. Nous
Vous entendez les gens? Il y a des personnes. Décidément, on a bien choisi notre jour. Regardez les gens. C'est les filles qui débarquent. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si oui, refaites aller mon petit boîtier dans la main. Et là, je ferai une séance de spirit box. C'est fou, t'as vu comme il s'est mis en route. Pourtant, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et c'est quand moi, je parle, gars, je vais appuyer dessus. Ah ouais? Mais quand toi, tu me sonnes ou quoi? Si, il bouge. Ouais. Mais de toute façon, on l'entend à la caméra hein, quand tu m'appelles ou je t'appelle. Donc, c'est même pas dit que c'est à cause de ça qu'il a été là-bas. Hein. Les autres, qu'il faut savoir. Non. Oui, parce que tu appuies, mais quand tu n'appuies pas, il n'y a rien. Donc, est-ce que ça vous intéresse de faire une séance de spirit box pour essayer de se parler? Si oui, refaites aller mon petit boîtier, mon petit K2, et là je sortirai ma spirit box. Technologie de l'assainissement. Oui, encore des documents. Tu es là aussi. C'était l'administration ici. Ouais, un clavier, une fois ma clavier. Nouveau clavier. Nouveau clavier, Macintosh super plat. Coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ok, eh bien, on va tenter une petite séance de spirit box de 5-10 minutes. Maintenant, je ne sais pas si je comprendrai ce que vous avez à me dire tout de suite, mais quand je ferai le montage, là, je pourrai réécouter. Ok, je vais éteindre mon K2 et je vais passer à la spirit box. De la prendre, de ranger mon cadeau.
Désolé, si ça bouge, mais c'est pas facile. Donc j'ai la Spirit Box et on va l'allumer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je n'ai pas très bien compris. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je crois que j'ai compris, oui. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Les amis, en pleine séance de Spirit Box, nous avons eu un PVE. Ce PVE n'est pas sorti de la Spirit Box. Ce sont les micros de mes caméras qui l'ont enregistré. Pour écouter ce PVE, le port du casque est nécessaire. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. C'est très important pour nous. Est-ce que vous êtes présent dans cette pièce avec nous? Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous plusieurs? Profitez, car des gens comme nous ici, vous n'en verrez pas beaucoup. Êtes-vous toujours ici avec nous? Thank you.
Je m'appelle Fifi. Pourriez-vous répéter ? Fifi. Voir si c'est bien vous. Répétez mon nom. Fifi. Répétez mon nom, s'il vous plaît. Fifi. Il y a quelqu'un avec nous ici. Êtes-vous un homme ? N'ayez pas peur. Dites-moi mon nom. Fifi. Voir si c'est bien vous. Il y a quelqu'un avec moi ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'hésitez pas.
Voulez-vous rentrer en contact avec moi? Avez-vous besoin d'aide?
On n'est pas venu ici pour vous chasser, au contraire. On est venu ici pour comprendre pour quelles raisons, s'il y a entité dans ces lieux, pour voir, pour connaître la raison de votre présence. Si vous vous sentez bien dans ces lieux, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez besoin d'aide ou quoi, il n'y a pas de souci non plus. On est là pour ça. Profitez-en. Thank you.
vous êtes présent avec moi. Dites-moi mon nom. Fifi. Répétez le mot. Fifi. S'il vous plaît. Ça aussi, hein, si vous savez plus ou moins ce qu'ils auraient pu faire ici ou quoi, mettez-le dans les commentaires parce que... Je ne sais vraiment, vraiment pas. Comment, Fifi ou Philippe? Répétez une fois, s'il vous plaît. J'ai cru entendre Philippe. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si oui, manifestez-vous. Faites un bruit. Claquez une porte. Parlez-moi. Répétez une fois mon nom. Merci. Merci à vous. Oui. N'hésitez pas. Une petite fiole. Il y a quelqu'un avec moi ici. Les amis, en pleine séance de Spirit Box, nous avons eu un PVE. Ce PVE n'est pas sorti de la Spirit Box. Ce sont les micros de mes caméras qui l'ont enregistré. Pour écouter ce PVE, le port du casque est nécessaire. Donnez-moi vos avis en commentaire, les amis. C'est très important pour nous. De rangement avec une échelle numérotée. J'ai
Je réécouterai à l'analyse et s'il y a eu des résultats, cela serait peut-être bien possible que je repasserai. Vous voyez, ils sont en train de faire des travaux de démolition. Donc, j'ai bien peur que ce bâtiment-ci soit bientôt démoli. C'est bien dommage, car ce sont de très beaux bâtiments, plein d'histoire. Ce serait vraiment dommage de démolir. Et si vous m'avez répondu, je vous en remercie. Je vais couper la Spirit Box et continuer mon urbex. Je vous remercie. Voilà. On écoutera à l'analyse. Mais je pense que j'ai entendu quelques mots. Je verrai bien à l'analyse. Jack, tu te souviens pas s'il y avait des bâtiments là-bas, à l'avant? Ouais. Parce que, oh mais non, mais juste ici. Parce qu'ils ont déjà tout démoli apparemment. Donc je suppose que ils vont continuer par ici aussi. Drôle d'appareil là-bas aussi. Ben, je pense que on a fait le deuxième. On va redescendre tout doucement vers le premier étage. Et puis le rez-de-chaussée. Et après, ben, ça sera tous les amis. Il y a tellement de choses à voir que. On a tellement envie de tout regarder qu'on a, on n'a pas envie de laisser rien au hasard, de ne rien laisser au hasard. C'est toujours le souci avec les lieux qui sont immenses, c'est d'avoir des vidéos qui sont trop longues. Et que ça ne vous saoule. C'est ça le souci. Maintenant, mettez-moi dans les commentaires. Si vous voulez que je continue mes urbex, mes enquêtes, non. Ben bon, voilà, comme vous avez vu, j'essaye de faire les deux. J'ai des résultats, tant mieux. Je n'ai pas de résultats. Voilà. Mais est-ce que vous aimez mieux soit les enquêtes vidéo, voilà, ou en urbex, les photos? Mettez-moi dans le commentaire. Et alors, pour la prochaine, je pourrai faire le repérage photo, et si il y aurait des manifestations ou du bruit ou quoi que ce soit de fort étrange ou quoi, à ce moment là je pourrais y retourner éventuellement de nuit faire une enquête vidéo.
marche. Vous voyez, ils ont commencé à remettre des terres. Je suis près de l'escalier pour redescendre au premier étage. Une petite table. Tu es où? Ah ok, ben attends-moi au premier étage, je vais descendre. Et ben voilà. On va se diriger vers le premier étage alors. Tout doucement, mais sûrement. Voilà l'escalier. On descend. Premier étage, on va descendre. Là, je pense que je serai peut-être. Je pense que je suis au sous-sol là. En fait, moi je suis. J'ai descendu l'escalier qui se trouve près de la route. Donc on était au même étage ou quoi, mais tu remontes, tu revas sur tes pas, tu repasses dans la salle où il y a tous les bancs, et là tu as un escalier. Eh bien j'ai emprunté cet escalier là. Eh bien voilà. Christox va arriver. STE formation. Comment est-ce que je me sens? Bien. Oups. Je me sens bien, ça va. Ah, je crois que je l'entends. Tu te rapproches, je t'entends.
une chaise comme d'habitude. Un petit fût. Eh, hey, je suis là. C'est des petites pièces. Ah ben oui, mais on est c'est le sous-sol ici apparemment. Enfin, on dirait, je sais pas, un truc de maintenance ou... J'ai vu qu'il y avait des moteurs, tout ça là-bas. Mais pour ne pas y aller tout seul ou quoi, je m'étais dit, ben... Non, t'as vu, il y a des pneus, tout ça. Bon, on va terminer par ici, hein. Pour montrer au premier, voilà. Ah, là, tu vas aimer. Ouais, il y a même un compresseur, si tu veux. Oui, il y a des machines. Il y a même un tout nouveau WC, si tu veux. Des carrelages. Un écran. Un écran de PC. Pardon, excusez-moi. Une toute nouvelle canette de Jupiler. Du produit. C'est le bazar ici, hein. Tu vois, celui qui s'occupait d'ici, là, s'il te faut des raccords. Ouais, peut-être un courant PVC et tout ça. Ah, passe d'aller chez Bricomère, ici. Hein. Il y a une cuve de compresseur. Bien sûr, le moteur n'y est plus. Hein. Ça, faut pas rêver. Là, on va s'aventurer un petit peu, hein. Si on trouve une Makita, moi je la prends. Hein. Des barres à souder au chalumeau. Tu sais, c'est le brin ici. Hein. Il y a encore des trucs emballés là. Une toute nouvelle batterie. Hein? On va la remettre à sa place. Hein. Ouais. Hein? Bah ouais, des trucs qui seraient quand même encore pu s'en servir, quoi. Bah si c'est des gens comme nous. Dans notre esprit. Ben voilà. Moi aussi, des fois, il y a des choses qui m'intéressent, mais je ne prends rien du tout. Je laisse ça comme ça. Et ici, vous avez tous les raccords. Il y en a pour... tous les raccords là-dedans. Ici, c'est la caverne d'Ali Baba, hein. Regardez ici. Ouais, c'était sûrement la maintenance ici. Ceux qui s'occupaient des bâtiments. Hein? Allez. Ouais. Ouais. Ah, voilà, on a fait le tour.
Maintenant, ce que vous pouvez me mettre aussi dans les commentaires, si ça vous intéresse que je fasse, par exemple, si c'est une vidéo qui dure, par exemple, 1 heure et demie, si vous voulez que je la fasse en 2 parties ou quoi, bah à ce moment-là, il n'y a pas de souci, hein. Parce que bon, voilà, on a toujours peur de. Je ne sais pas ce que c'est comme machine. Sais pas ce que c'est comme machine. LVD. En tout cas, c'est hydraulique. Il y a une pompe, il y a un moteur. Ah, si, je sais c'est quoi. C'est une ancienne machine pour faire des pièces en plastique. Là, vous avez la partie où le plastique, où on fond le plastique. Là, c'est la partie où vous mettez le plastique. Et là, c'est la partie que vous mettez le moule. Le moule pour Des faire les moules, ça pièces. s'appelle. Ou Hein? des moules. Ou des moules. Non, 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 mais ça, c'est une machine pour faire des pièces en plastique. Ah oui. Tu vois, ici, tu as le truc mais qui fond le plastique. Ça, tu mets le plastique là-dedans. Alors, ça, c'est le truc à injection. Et ici, tu as le moule au milieu. Il injecte le plastique dans le moule. Il y a souvent un piston à l'arrière et qui pousse le plastique chaud. Et après, quand le plastique est refroidi, parce que le moule est refroidi par eau, ben, le moule, il s'ouvre et tu as les pièces apparemment qui tombent ici en dessous. Ouais, c'est quand je travaillais avant, mais chez Dubois et Frères ou quoi. Je travaillais sur une maman, elle était 20 fois comme ça, moi. Enfin, on avait des petites comme ça pour faire des, je sais pas moi, beaucoup des trucs de parfum de voiture et tout ça. Là. Vous savez bien que cette machine, elle me disait quelque chose. C'était un peu familière, comme on dit. Voilà. Tu n'as pas un téléphone? Et les corps raccordés et tout, hein? Regardez pour téléphone. Allô? Ah, ici, c'est à mon avis, c'est à midi, picolé ici. Le bureau du directeur. Ah, le bureau du directeur. Avec les bouteilles, à ça. T'as vu le téléphone? Tu veux pas Ouais. téléphoner chez toi? Il est court branché le téléphone. Des bonbonnes de gaz apparemment. Enfin bon, voilà, c'est des trucs. L'instincteur. Deux en un. Le bureau et le WC en même temps. Bon, tant qu'à faire. Ça, à la limite, on peut faire caca et répondre au téléphone, hein. Eh bien, on va encore faire ici. Après, on va remonter tout doucement. Et je pense que ça sera bon. Hein. Oh, les amis. Ça repart par là. Je suis désolé, on ne saura pas tout faire. Me demande bien qu'est-ce que cette machine à moule fait là. Je me le demande. C'était sûrement un truc de stockage. Je me le demande. T'as vu? Ça continue par là. Encore des machines. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est quoi ça? C'est pourquoi faire ça? Abandonné, te parlais plus, mais là, la moule à gaz. Qui ça? Plus de batterie. Le fantôme, Ben, il te parlait plus.
Je sais pas, je verrai au. Quand je verrai. Enfin, quand je ferai le montage. À l'analyse. Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça fout tout ça dans une école? Ça, c'est un lance-roquette, ça. C'est un lance-roquette. C'est un lance-roquette, ça. Bon, bah, allez. On va faire un petit bonus. On va aller jusque là-bas dans le fond. On fait un aller-retour. Après, on va remonter au premier étage. Rien à faire, moi je suis curieux. Je suis curieux, moi. Rien à faire, il faut que j'aille voir. Petite baignoire. Il n'y a rien à faire, moi je suis curieux, il faut que je vienne voir. Hein. Je sais pas, mais ici, je sais pas si vous voyez, mais il y a des sacs, il y a des. M'étonnerait pas qu'il y ait des produits dangereux ici. Viens voir ici, tu vas voir. M'étonnerait pas qu'il y ait des trucs dangereux, moi. C'est un truc de stockage. C'est un truc de stockage, mais. Mais tu n'aurais pas qu'il y ait de l'amiante ou quoi là-dedans. Coucou. Y a des trucs étranges quand même ici, hein, franchement. Regarde. Il y a même des trucs là, je sais pas ce que c'est. Regarde. Tu trouves pas que ça sent quelque chose ici? On dirait des carottes, quelque chose qui a été carotté ou quoi. Je sais pas, on dirait des analyses ou. Je sais pas. C'est des carottes, hein. Ça a été, on dirait que ça a été foré et tout. Ouais. Il y a même des roues en PVC. Hein. Les Founti. Comment on dit en wallon, on va les Founti dans les vies machin. Ouais, c'est quoi de ça? On va peut-être trouver de l'or. Hein. De l'or dur. De l'or dur. Il y a encore des espèces de cailloux. Hein. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont avec.
difficile. Ça, c'est des pitonneaux, c'est ça. 4 kilos. Ça, c'est des pierres, c'est des... C'est des pierres. Je sais pas, je... Des pierres. Ça me rappelle... L'urbex qu'on avait fait, là, quand on est descendu dans... Des pierres, il y en avait aussi là-bas. Oh là là. Moi, je pensais que ça allait, j'allais aller me tuer là-bas. Et bien, apparemment, on est retombé au point de départ. On va toujours faire un petit peu ici. Quel silence. Tu veux pas des tubes? Fais venir un camion, t'embarques ça. Pour passer des câbles électriques. Normal, tu crois? Ben oui, c'est normal. Le jour où ça ne sera... Le jour où ça ne sera pas normal, je te le dirai. Électrique, tout a été débranché. Et la morgue, elle est où? Elle est où la morgue? Dans les universités, il n'y a pas de morgue? Ah zut alors. Ah oui, si, c'est vrai, ça existe. Mais ils apprennent à travailler sur des cadavres. Hein. Ah ouais. Mais pas ici, c'est au sortir de monstre. On va y aller alors. Ah, un piano. Hé hey Christian, joue-nous un petit air de piano. Je veux du piano debout. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire un piano dans un sous-sol d'école. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là. Voilà quoi. Bah, tu me diras, tout est possible. Hein. Je mettrai, tiens, il y a une chanson, un piano debout là. Ouais. Ben, je mettrai un morceau. Et si vous avez vu, ils ont travaillé. Il y a une machine, une pelleteuse qui est venue. Il y a un casque hydrogaz. Spécial comme endroit. On a encore ça ici. Après, on va remonter tout doucement.
sur ma truc de stockage de pièces. Défense de fumée. Moi, c'était le truc électrique ici. Il y a plein de pièces électriques ici. Ouais. Bah, c'est sûrement des bazars qui... Vas-y, rentre. C'est sûrement des bazars qui... T'as vu? Là aussi, gars, il y a plein de trucs, là. Ouais, vas-y. Je sais pas si ça sert encore maintenant. Bah, est-ce que ça servira encore? Et ouais. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Oh. Encore des trucs électriques. C'est vraiment immense. Les sous-sols sont aussi grands que les étages. Ça c'est pour remonter à l'étage du dessus. Étiquette dessus. Oui, il y a l'escalier là pour remonter. Ouais. Machine à laver. Enfin, je sais pas si c'est une machine à laver. Oh putain. Et ça continue, ça continue. Ok les amis, on va pas... C'est l'autre bâtiment. Ça donne sur l'autre bâtiment. Donc, on va laisser passer.
Mais ça continue encore là-bas, mais... C'est déjà un bonus qu'on fait. En fait, quand on était venu la première fois, j'ai eu un souci avec ma carte mémoire et je me suis rendu compte, je sais pas ce que c'est, je me suis rendu compte que voilà, ma carte n'avait rien du tout, n'avait rien enregistré. Donc c'est pour ça qu'on est revenu aujourd'hui. En fait, c'était ma carte qui était défectueuse. Donc c'est pour ça qu'on est revenu. Et déjà l'autre fois, on n'avait pas trouvé le sous-sol. Donc disons que... Ce qu'on fait ici, c'est un genre de bonus. Ça remonte. Là, en fait, on est dans l'autre île du bâtiment. Ça. Vraiment, vraiment, vraiment immense. Faculté de médecine. Entrée interdite. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, il n'y a peut-être plus rien d'extraordinaire. Réfectoire. Réfectoire. Oula. C'est une petite pièce ici. Hein? Bon. Ça, je suis certain que c'est des gens qui viennent dormir ici. Est-ce que c'est pas malheureux? Là-bas,
je ne vais pas m'y aventurer. Il y a plein de trucs qui pendent à gauche et à droite. Je ne tiens pas à aller me casser la tête. Là aussi, il y a un escalier pour remonter, mais je suppose qu'on va arriver au-dessus. L'ascenseur. Il y avait encore une petite pièce que je n'avais pas fait là-bas. Je vais vite aller la faire. Après, montrer les escaliers. Attends, moi je vais arriver. Attends, moi près de l'escalier, je vais arriver. En principe, on est à la sortie. Oui. Bon, on va descendre alors. Juste, il faut qu'on... Ouais, t'as raison. Voilà alors. Gauche et là ben on arrive à la sortie.
Et voilà, ben, bientôt la fin de cette vidéo. Je pense que je la ferai en deux parties. Mais voilà, c'est la sortie. Je la ferai en deux parties. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Surtout, vous avez dit que je suis casse-bonbon, mais surtout... Oui. Surtout abonnez-vous à la chaîne. Je ne parle pas pour moi, je parle justement pour la survie de la chaîne. Et voilà la sortie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.